Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le temps additionnel de Super League. Vous aviez soirée chasse ou jeu de société, ne vous inquiétez pas, on est là pour tout vous remontrer de cette soirée. Deux matchs étaient au programme ce soir. À mes côtés, fidèle au poste depuis 17h45, Steven Lang et Jérémy Manière. Rebonsoir messieurs. Bonsoir Mickaël. Si vous le voulez bien, on va débuter rapidement avec le premier match de cette soirée parce qu'on a énormément de choses à vous montrer. Le premier match, c'était au Wankdorf entre Young Boys et le Lausanne Sport. Après sa première victoire contre Grasshopper, les Vaudois espéraient créer la surprise face aux champions en titre. On va rentrer très rapidement dans cette rencontre dès la 13e minute de cette partie avec le LS qui va prendre le 1-0 dès la 13e. Montero qui dégage sur FT. On en a déjà parlé plus tôt dans la soirée, mais là, c'est clairement de la malchance. Oui, clairement. Énormément de choses côté bernois. Alors, il y a cette perte de balle de Puertas hein, à la relance qui doit dégager. Il ne doit pas prendre ce risque d'essayer de faire cette passe. Ensuite, il y a le duel qui est perdu par le Lausannois. Et ce but gag, hein, Montero qui dégage et ça tape la jambe de FT qui peut ouvrir le score. Et là, à ce moment-là du match, on avait un peu peur quand même pour Lausanne. Il y a ce 1-0. Derrière, il y a des occasions également pour Young Boys, avec par exemple celle-ci de Fasnacht pour Siebatsche, la tête au-dessus de Jordan Siebatsche. Là, on avait une crainte quand même que Lausanne perde le fil de ce match. Oui, bien sûr, parce qu'on sait que YB a tendance à rapidement mettre le deuxième lorsqu'il joue à domicile. En l'occurrence, c'est une très très grosse occasion pour Siebatsche qui cadre mal sa tête. Mais cette occasion-là, d'habitude, ça finit au fond. Mais heureusement, pour le LS, il n'y a donc pas de 2-0 très rapidement dans cette partie. Au contraire, les Vaudois vont revenir dans cette rencontre et vont effectuer une très bonne fin de première mi-temps. À l'image de cette action de la 32e minute, Trazier Thomas qui récupère le ballon au milieu de terrain. Et ensuite, ça va très vite. Combinaison Hamdouni, Puertas. C'est mérité au vu de ce début de match. Les deux hommes sont en confiance et ça fait un partout. Si oui, bien sûr, c'est mérité. Le LS qui a vraiment été très bon hein, sur l'ensemble du match. Mais là, on joue la 30e minute. Alors, il y a ce duel qui est gagné. Ensuite, ça se projette très, très vite. Et Hamdouni et Puertas qui combinent à merveille. Hein. Regarde, ce 1-2, c'est magnifique. Le timing est bon. Et ensuite, la finition d'Hamdouni est parfaite. Et c'est un partout à ce moment du match. Hamdouni-Puertas, c'est un duo qui aura marché tout le match. Alors, il y a aussi Mahou hein, qui a fait un excellent match dans cette partie, mais on va le revoir d'ailleurs avec une autre action, Hamdouni Puertas. C'est un duo qui fonctionne, Jérémy. Ouais, c'est des joueurs en confiance. Puertas, il reste sur un doublé. Hamdouni, il a aussi ouvert le score contre Getse le week-end passé. C'est des joueurs ultra talentueux qui vraiment ont porté l'offensive lausannoise en compagnie d'Hicham Mahou aujourd'hui. Steven, d'accord avec cette analyse, il y a vraiment quelque chose à tourner là autour avec cette offensive, ça marche, Mahou, Puertas et Hamdouni. Oui, il y a de la qualité technique, il y a également de la vitesse, il y a de la percussion, les joueurs s'entendent bien, hein, que ce soit sur le terrain mais également en dehors et ça se ressent sur le terrain. Les joueurs qui combinent bien ensemble et ça donne de bonnes occasions pour l'LS. À plusieurs reprises, donc en cette fin de première mi-temps, Lausanne est passé tout proche de prendre l'avantage 2-1. Et finalement, on va passer tout de suite en deuxième mi-temps avec des occasions de chaque côté. Tout d'abord, 56e, c'est Elia qui va tirer puissamment. L'arrêt de Moridio est important, mais il est également difficile, Jérémy. Il est magnifique parce que le ballon vient très très fort, il rebondit juste avant lui. Il l'arrête à une main très très ferme. C'est un très très bel arrêt de grande qualité. Et en parlant d'arrêt incroyable, c'est quasiment dans l'enchaînement, hein, une minute trente après, un très bon ballon d'Ouzic, Hamdouni qui remet en retrait pour Mahou et là l'arrêt est signé Von Balmos. Oui mais tout est beau, hein, tout est beau sur cette action. Alors il y a l'appel d'Hamdouni en profondeur bien sûr, le ballon est très bien donné de la part d'Ouzic et cette frappe de l'attaquant lausannois qui terminait au fond, mais bel arrêt de Von Balmos. Pour avoir des beaux matchs, il faut aussi des bons gardiens, hein, Jérémy. Bien sûr, et là ça a été le cas aujourd'hui, hein. Von Balmos et Moridio sont parmi les meilleurs gardiens du championnat. Ça date pas d'aujourd'hui, ils nous ont prouvé à maintes reprises et aujourd'hui ça a encore été le cas. Ils ont sauvé leurs équipes respectives à des moments assez clés. Ouais. Et pourtant, pas mal de réussites hein, inscrites, il y en a encore trois à vous montrer dans cette rencontre. 76e minute, c'est Rieder qui va tirer un excellent en coup franc. Elia gêne Moridio sur cette action, mais la combinaison est parfaite pour lui. Oui, le coup franc est très bien tiré, hein, le coup franc du milieu bernois est très bien botté. Ensuite, ce qu'on peut reprocher à la défense de la c'est de laisser justement Elia seul qui vient gêner Dio et qui, sans toucher le ballon, mais c'est 2-1 pour Ribé et voilà, c'est dommage. Là, la défense lausannoise, elle doit faire ce petit pas de retrait sur le pied d'appui du tireur, hein, à savoir Fabien Rieder. Il doit vraiment descendre de 50 cm pour empêcher le ballon d'arriver dans cette zone entre le gardien et puis la défense qui est ultra dangereuse. Et au final, ben, l'incursion d'Elia fait que Moridio est trompé.
Petite erreur de placement donc, dans la défensive lausannoise, mais ce qu'on a aimé finalement par la suite, c'est la réaction de l'équipe du LS avec, dans l'enchaînement, cette action. C'est sur l'engagement, Ouattara, la passée de Zouri, et là, on reparle quand même de Fonbal Moss, le sauvetage, il est incroyable. Oui, mais une fois de plus, le LS qui n'a pas baissé les bras, alors ils sont menés au score, bien sûr, mais tout de suite, ils réagissent, et là, sur l'engagement, hein, du côté Bernard, c'est pas normal de se prendre une occasion comme cela, mais le LS a été présent dans ce match, a vraiment été très intéressant, et aurait pu revenir à 2-2 sur cette action. Et ça va encore se poursuivre puisque le LS va revenir à deux partout avec cette action de Cameron Puertas dans les 16 mètres qui va se battre jusqu'au bout. Un énorme duel avec Rieder et au final c'est une main du milieu de terrain Bernard. Alors là vraiment il allait se le chercher tout seul le pénalty parce qu'il il vient à partir de rien du tout. Hein. Touche, on voit qu'il accroche Rieder. Là il y a une petite faute de sa part au départ mais les arbitres ne sifflent jamais dans ce genre de situation. Rieder s'accroche aussi. Finalement, c'est un duel à la puissance que gagne Puertas. Finalement, pénalty pour Kukuruzovic qui transforme magnifiquement. Kukuruzovic donc, qui tire ce pénalty, c'était Puertas la semaine dernière. Mais là, le capitaine qui reprend ses responsabilités, surtout pour un but aussi important, c'est normal. Oui, mais c'est inarrêtable. C'est un pénalty qui est très bien tiré. On connaît Kukuruzovic, hein, on connaît sa qualité sur coup de pied arrêté. Alors, il y avait Puertas également qui était disponible. Mais bon, voilà, le LS a de la chance d'avoir deux bons tireurs de pénalty et c'est très bien pour le LS. Et à ce moment-là, on se disait que Lausanne avait fait le plus dur, revenir deux fois au score contre le champion en titre. Deux partout donc à ce moment-là du match, mais le LS qui va craquer en toute fin de partie avec une action à nouveau assez particulière, malchanceuse on peut le dire. Le centre est signé Ngamale et ça finit sur le potion. On peut dire que c'est un centre assez vicieux de la part de Ngamale. Et derrière, le geste de buteur de Fasnacht est parfait. En vrai. C'est un centre plus qu'hasardeux, c'est une chance assez incroyable du côté bernois, mais il faut quand même... Il faut quand même la provoquer, cette chance. Hein. Là, il doit ne pas centrer. Et finalement, le geste de Fasnacht, il est parfait parce qu'il n'a pas beaucoup de temps pour armer. Le ballon vient haut. Techniquement, c'est du haut niveau. Et il montre encore une fois que c'est un des tout meilleurs joueurs du championnat. 3-2, score final donc pour Young Boys. Mais on a vu de très belles choses du LS après cette victoire contre Getse qui semble avoir quand même fait un petit déclic dans le jeu lausannois. Oui, on a vu un très bon LS. Alors, ce n'était pas facile de venir jouer face à Ibé, hein, le LS qui voulait enchaîner bien sûr une deuxième victoire de suite. Malheureusement pour eux, ils sont tombés sur un Ibé très efficace, chanceux également. Mais le LS peut s'appuyer sur ça, hein. Ça fait quelques matchs que le LS est intéressant. Et maintenant, il y a eu cette première victoire le week-end passé, il y a eu un très bon match face à Ibé. Alors c'est frustrant parce qu'il n'y a pas de points au bout, mais le LS grappille gentiment des points et se montre intéressant dans le championnat. Vous parliez de frustration, on va tout de suite le voir puisque Simone Grippo était à l'interview à la fin du match. Simone Grippo, le Lausanne va mieux, on a vu beaucoup de mieux ce soir. Vous êtes frustré de ne pas repartir avec au moins un point? Bon oui, c'est mieux, la sensation c'est mieux, mais à la fin on ramène rien, on prend pas de points. C'est frustré parce qu'on a fait un super match. Un super match. Est-ce que la victoire de la dernière journée vous a fait du bien? Vous vous êtes senti quand même mieux mentalement? Oui, je crois les 15 jours qu'on a eu de la sélection, qu'on a eu du temps pour bosser, c'était très bien. Et après le match contre Getse, le résultat c'était bon. Et maintenant aujourd'hui, je crois qu'on a fait un très bon match, mais c'est très frustrant qu'on n'a pas ramené au moins un point ici. Vous allez affronter Lucerne lors de la prochaine journée, une équipe à votre portée. Vous gardez quand même ce bon début de match ici pour recevoir Lucerne? Oui, c'est vrai. Ça, c'est le prochain match en championnat. Mais avant, on a mardi un très, très match important, match très important en coupe parce qu'on va arriver jusqu'au bout en coupe. Et après, dimanche, c'est un match important. Et comme tous les matchs qui nous restent maintenant. Mais quand même, je pense que les 90 minutes d'aujourd'hui, ils nous motivent. Ils nous montrent qu'on est capable de jouer contre tout le monde. Et bon, à suivre. Défaite frustrante donc pour Lausanne contre Young Boys. Il y aura la semaine prochaine la Coupe. Mais surtout, le match contre Lucerne, Jérémy, ça, c'est quand même le match le plus important finalement que ce match contre eBay, on peut le dire. Oui, parce que c'est un bonus hein, si le match contre eBay. C'est clair qu'en début de saison, ils n'ont pas budgétisé des points forcément, même si on ne budgétise pas de points évidemment, hein, mais c'est une image. On ne budgétise pas de points sur le terrain du Vangdorf parce que c'est sûrement le terrain où il est le plus difficile de jouer en Super League. Par contre, Lucerne à la maison, une équipe qui n'a toujours pas gagné un championnat, qui est à la traîne, qui est derrière, il y a moyen peut-être, selon leur résultat de demain, de les mettre à 6 points et justement de se donner un petit peu d'air et de travailler un peu plus sereinement.
Dans le haut du classement, Young Boys ne se pose pas ce genre de questions. Nous avons recueilli l'interview de Vincent Sierrault en toute fin de partie. Vincent Sierrault, on a senti Young Boys un petit peu moins serein. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? C'est la défaite face à Villarreal qui a mis un coup au moral? Non, je pense pas. Je pense que Lausanne a fait un bon match. Ils nous ont mis quand même en difficulté. Après, je pense qu'on a eu trop d'erreurs techniques. Je pense pas que c'est dû au fait du match de Villarreal. On a bien commencé les 10 premières, on a eu des récupérations de balles, on a eu des occasions, mais après on a eu trop de déchets techniques. En première mi-temps, la deuxième c'était mieux, et là on avait beaucoup plus de ballons, on les a, je pense, étouffés, on a mérité de gagner à la fin. Trop de déchets techniques, dû à quoi? Dû aux nombreux matchs que vous avez eus, que vous allez encore avoir? Non, je sais pas, peut-être on est un petit peu sorti du match, on a marqué, on avait des occasions, on est devenu un peu trop facile, et on a aussi peut-être trop précipité, on voulait trop chercher la dernière passe. Et ça fait qu'on a remis Lausanne dans le match, ils ont marqué. Et avec le système à 5, ils ont réussi à trouver des bonnes passes dans l'intervalle et ça nous a mis des fois en difficulté. Mais voilà, comme j'ai dit, en deuxième, on s'est ressaisi et à la fin, on l'a mérité. Au final, effectivement, c'est une victoire qui vous permet aussi de rester invaincu à domicile cette saison. Oui, bien sûr, c'est important. À domicile, c'est une grande force avec notre public. Et on sait qu'on est très fort et les adversaires savent qu'ici, c'est très difficile de venir prendre des points. Donc voilà, on voulait à tout prix gagner, on l'a fait et c'est une bonne chose. Résultat mérité selon Vincent Sierrault. Je vous ai entendu tiquer Stephen Long, vous n'êtes pas forcément d'accord? Non, pas sur son analyse. Alors c'est clair, à chaud, c'est difficile de réagir. Peut-être qu'il était encore dans le match et il n'a pas eu les résumés qu'on a vus. Mais sur ce match-là, c'est vrai que IB est chanceux parce que la victoire n'était pas logique selon moi. Le LS a été très bon, n'a pas eu de chance sur certaines occasions et malheureusement pour eux, ils perdent face à IB. Mais encore une fois, je pense qu'ils peuvent s'appuyer sur ça pour essayer de gagner des points dans le futur. 3-2, donc score final pour Young Boys face au Lausanne Sport. Mais restez avec nous parce qu'il y a eu encore plus de buts dans l'autre rencontre de la soirée. Le derby de la Limate entre Grasshopper et le FC Zurich. Le premier duel avait été extrêmement serré avec un but à la 95e minute d'Hassan Cizé. Il était absent aujourd'hui et pourtant on a quand même vu beaucoup de réussites ce soir. On commence très très rapidement dans cette partie avec dès la 3e minute une occasion qui va terminer au fond. Son remplaçant finalement à Hassan Cizé va se mettre en évidence. C'est Paul Hérault bien servi par Omeragic. Très très bonne fixation de Omeragic qui va vraiment fixer la défense adverse. Dépassement de fonction depuis son poste de centrale droite. Il trouve Paul Hérault dans l'intervalle et là sa prise de balle elle est parfaite et il enchaîne très très rapidement sur une frappe intéressante croisée. On pensait qu'il y avait hors-jeu dans un premier temps, mais on verra que ce n'est pas le cas parce que Losli couvrait l'attaquant uruguayen. On voit d'ailleurs la décision de monsieur Jacques Cottet qui donne donc but pour le FC Zurich très très rapidement dans cette partie. Le premier derby, c'était Grasshopper qui avait marqué très très rapidement le 1-0 alors que Zurich était revenu au score. Là, Zurich va faire la course en tête longtemps puisque dès la 10e minute, il va déjà y avoir le 2-0. Erreur au départ entre Hertz et Margreiter qui perdent le ballon et ensuite la classe de Dzemaili qui fait tout seul. Il a un peu de réussite, mais la frappe elle est splendide, Steven. Oui, vraiment, un très très beau but de Dzemaili qui récupère ce ballon. Ensuite, ça se projette très très vite. Hein. Il est un peu chanceux sur sa passe parce qu'il voulait décaler sur le côté droit. Et le ballon qui lui revient, il ne se pose pas de questions. Hein. Mais c'est ce qu'on attend de Blair Dzemaili, hein, de par son expérience, sa qualité de passe et surtout sa qualité de frappe. Et là, cette frappe est pure. Le ballon qui rebondit un petit peu devant, il la tape un peu de l'extérieur. Et c'est déjà 2-0 après 10 minutes pour l'FC Zurich. Elle est belle à frapper, comme on dit souvent, cette frappe. Mais Dzemaili, il a encore des belles choses à prouver, à montrer dans le championnat de Suisse. À prouver, je ne suis pas sûr, parce que sa carrière, l'essentiel de sa carrière est derrière lui. Il nous a fait vibrer avec l'équipe nationale. Il a une belle carrière en Serie A, notamment. Mais de toute façon, cette qualité de frappe, cette qualité de passe, il l'aura toujours. Comme on disait, il n'a peut-être plus le même volume de jeu qu'auparavant. Par contre, l'expérience, la vista, et puis surtout cette qualité technique, ça restera. Il nous l'a prouvé là, parce qu'elle est pure. Et en plus, le gardien ne peut rien faire, parce que je pense qu'il est même masqué par son défenseur central. C'est la deuxième fois que Grasshopper est mené de deux buts très très rapidement dans cette rencontre. C'était déjà le cas contre le Lausanne Sport la semaine dernière. Mais là, il va y avoir une réaction assez rapide de la part des Sauterelles avec un pénalty qui va être obtenu sur cette action. La faute, elle est de Guerrero sur Pušić. En direct, on ne l'a pas forcément vu, on vous l'avoue. Mais derrière, c'est vrai qu'au niveau du ralenti, il y a une bonne décision qui est prise de l'arbitre. Oui, un pénalty clarinette. Alors... Voilà, on en parlait déjà avant, mais c'est vrai que c'est un peu la même situation que les Servettiens à Saint-Gall. C'est exactement la même action, sauf que là, bien sûr, on donne pénalty et c'est logique.
parce que Guerrero touche clairement l'attaquant zurichois. Et ensuite, ce pénalty est magnifiquement transformé de la part de l'attaquant des Sauterelles qui prend le gardien à contre-pied. Et c'est vraiment un beau pénalty. Léo Bonatini qui avait déjà marqué sur pénalty la semaine dernière. Donc 2-2 pour lui cette saison. Rien à faire pour Yannick Brecher dans cette rencontre 2-1, donc à ce moment-là du match. Et ça va aller encore très très vite, puisque 10 minutes après, on retrouve Grâce au Père à l'offensive. Et Margaretha a envie de se reprendre, de se racheter de son erreur du début de partie. Le corner est signé Puzic. Tiens donc, on en parlait en tout début de... Ouais, ce ballon, il est vraiment déposé sur la tête de Margaretha dans une zone où c'est très très compliqué à défendre. Il est vraiment devant l'homme libre, qui en l'occurrence est Rodrigo Polero. C'est compliqué à chaque fois quand on a un attaquant qui attaque au premier poteau, parce qu'il nous vient depuis l'arrière et puis il est suivi par un autre joueur au marquage. Ça demande la communication, mais là, quand le ballon est tellement bien tiré, tellement bien fouetté, que la course de l'attaquant est bonne et que la reprise de la tête est parfaite, c'est compliqué de défendre et ça a été très très bien joué par Margaretha et puis par Puzic. Sur le 2-0 du FC Zurich, Margaretha et Hertz avaient combiné pour malheureusement l'erreur de leur équipe. Il y en a un qui a marqué déjà, Margaretha. On va retrouver Hertz 8 minutes après ce but. La passe de Schmidt, elle est assez incroyable d'ailleurs. Il venait de rentrer en jeu. C'est très beau cette passe. Oui, c'est un match complètement fou. Alors Götze qui a mené 2-0 et qui à la 35e prend l'avantage. C'est un derby hein, typique. Mais là, cette passe de Schmidt, elle est exceptionnelle. Alors, il y a un mauvais alignement. C'est clair que cette passe-là ne doit pas arriver en Super League. Mais il faut quand même le dire, cette passe est exceptionnelle. Le dosage est bon parce qu'elle n'est pas facile à mettre. Hein. Il y a très peu d'espace pour faire ce genre de passe. Et ensuite, l'attaquant zurichois qui arrive à la placer entre les jambes du gardien. Et c'est 3-2 pour Götze. Je vous vois un peu sourire. Il y a une erreur de Yannick Brecher, selon vous, Jérémy? Très clairement. Bah oui, on sait qu'on voit qu'il a ce pied qu'il essaie de rabattre pour se la décaler et puis la mettre dehors. Mais non, c'est une erreur pour moi manifeste du gardien. Il doit bien mieux faire. Le ballon n'est pas super puissant. Elle lui arrive sur le pied et il rate son intervention du pied. Alors c'est un gardien, mais ça reste de la technique de gardien. Et pour moi, il est en bonne partie coupable sur ce but quand même. Première mi-temps assez incroyable, donc avec ce score de 3-2. La deuxième sera un peu moins impressionnante, mais il y aura tout de même un but. On passe à la 66e minute et on retrouve l'homme qui remplace Hassan Cizé, en l'occurrence. La tête, elle est signée Polero pour un doublé, son premier doublé en Super League. Magnifique centre de Guerrero également. Oui, mais c'est remarquable, hein, Polero qui jouait très peu et qui a remplacé admirablement Cizé sur ce match-là. Il marque un doublé, hein. Dans un derby, c'est toujours très très important. Le centre est très bon. Et on le voit, hein, il est au duel face à Luzli, mais il le gagne, justement. On le voit, ils sont côte à côte. Il gagne son duel et il vient mettre cette tête qui permet aux Zurichois d'égaliser. C'est vraiment très, très bien joué. Polero, vous l'avez affronté, si je ne me trompe pas. Là, est-ce qu'on peut jouer avec Cizé et Polero dans la même équipe? Clairement, c'est deux profils pour moi très complémentaires. On peut même imaginer Marquezano derrière les deux, surtout dans leur système en 3-4-1-2. C'est un système qui est parfait parce que les trois devants sont complémentaires. La créativité, la technique de Marquezano, la vitesse de Cizé et puis le jeu de haut but et puis la présence dans le box de Polero. Alors, c'est des théories. Hein. Moi, je connais moins bien les joueurs que André Breitenreiter, mais on peut s'imaginer de miser sur ces deux attaquants qui sont en forme avec un artiste derrière eux qui est en feu depuis bientôt une année et demie. La fin de match va s'avérer un peu moins débridée, on va dire, avec deux équipes assez prudentes par moment, mais il y aura quand même une occasion de chaque côté d'aller chercher la victoire. La première, elle intervient à la 82e minute et elle est en faveur de Grâce au Père. C'est Demachay qui va faire tout seul, un peu de réussite au début et ensuite une frappe qui passe pas loin du tout, Steven. Oui, on joue les 10 dernières minutes. Hein. Demachay qui est aussi un attaquant, une sorte de pivot, c'est pas forcément un dribbleur, mais là sur cette action il fait tout seul, magnifique solo et cette frappe qui vient frôler le poteau, c'était vraiment une très très belle action. Là on était très proche du 4-3 pour Grâce au Père, on va également passer assez proche du 4-3 de l'autre côté avec cette frappe de Polero. Le sauvetage est splendide d'Arigoni. Ah là j'adore, franchement c'est des interventions, on les souligne pas assez parce qu'on a tendance à mettre en avant les attaquants, mais là c'est très très bien anticipé d'Arigoni, ça a le poids d'un but parce que ça intervient à une minute de la fin, son intervention elle est parfaite, ça dévie le ballon au corner, du très très bon boulot d'Alan Arigoni. Score final, donc 3-3 entre les deux équipes dans ce derby de la Limat. On a une réaction qui nous vient du bord du terrain au Let's Sigrun, celle de Kalisen. Kalisen, quelle réaction après ces deux buts du FCZ? Ouais, ça a été un début un peu difficile, on va dire. Encaisser deux buts à 10 minutes du commencement, c'était pas facile. Mais bon, on a eu une très bonne réaction et je pense que tout le monde l'a pu le voir.
Après, c'est le football qui fait comme ça. L'important, c'est qu'on a essayé de se battre comme on le fait toujours. On a essayé. Et voilà, on aurait aimé ramener ces 3 points à la maison. Ce n'est pas le cas, mais 1 point, c'est déjà bien. Donc voilà, on continue le travail. Qu'est-ce qui fait la différence dans cette fin de match? Qu'est-ce qui permet au FCZ de revenir face à vous? C'est la mentalité d'aller la chercher. On est là pour gagner, on n'est pas là pour chercher un match nul ou pour la perdre. On est là pour gagner et voilà, on était là pour gagner le match. Donc on s'est battu pour gagner le match. Après, on a eu une belle réaction. Ça ne s'est pas passé comme on aurait souhaité, mais voilà, on continue le travail et on va espérer que la prochaine fois sera la bonne. Kalisen était donc là pour gagner le match, mais au final, il y a donc ce match nul. Qu'en est-il de l'autre côté? La réaction du FC Zurich, celle d'Antonio Marquezano exactement. Antonio Marquezano, un début de match parfait. Et ensuite, vous avez laissé Guetze revenir dans cette partie. Ouais, franchement, c'est dommage parce qu'on commence très bien le match. 2 buts tout de suite. Après, on fait des erreurs que franchement, on ne peut pas faire. On veut sortir avec le ballon, mais on fait des erreurs qu'on a invité Guetze à mettre les buts. Mais ça, c'est le foot. Après, je pense que le deuxième mi-temps, c'était très bien. On est très bien revenu de 3-3. Je pense qu'à la fin, on mérite aussi de gagner le match. Il y a de la déception quand même, malgré l'égalisation dans cette partie? Ouais, je pense oui, parce que si on regarde les dernières 20 minutes, on fait beaucoup de pression. On a des occasions encore pour gagner 4-3. Mais oui, on prend avec 1 point. C'est aussi bien qu'on n'a pas perdu. Alors je pense qu'on peut rester positif pour les prochains matchs. On va enchaîner très rapidement avec une autre réaction d'un joueur zurichois, le double buteur Rodrigo Polero. Rodrigo Polero, prima partita dell'inizio, 2 gol oggi, contento con il 3-3 contro Guetze? Sì, contento per la partita, per i 2 gol, ma un peccato per il risultato, abbiamo cominciato molto bene, 2-0, dopo loro hanno cresciuto la partita, e comunque un pareggio penso che va bene. E quanto pressione avevano prima della partita a causa di Sisse? Ho fatto molto gol. Sì, Hassan ha fatto un campionato tremendo. Io non compito con lui, solo lavoro per fare bene per la squadra. E comunque oggi io ho portato 2 gol, abbiamo pareggiato e bene. E quali sono i suoi obiettivi per il futuro con il FC Zurigo? Cominciare a giocare, penso che la squadra sta molto bene. Siamo lì sopra, primo 3, e comunque dobbiamo continuare così, lavorando e così arriviamo lontano. Grazie. Grazie a voi. Vous l'avez peut-être compris, Rodrigo Polero qui est content de ce match et surtout de ses 2 buts. Mais au final, il est quand même déçu du résultat car il estime que son équipe avait très bien commencé en menant rapidement 2-0. Ensuite, il y a eu une question concernant Hassan Cizé. Est-il en compétition avec lui? Il estime que non. Il fait également un bon championnat, mais il ne pense pas être en compétition avec ce joueur. Il travaille bien pour le bien de l'équipe et aujourd'hui, il a pu marquer, lui, 2 buts et ça lui fait énormément de bien. Ensuite, sur l'équipe, sur les ambitions pour la suite, l'équipe est en forme. Il dit, l'équipe est 3e, on va d'ailleurs le voir plus tard avec le classement. Ils doivent continuer comme cela. On va d'ailleurs récapituler les résultats de cette soirée, si vous le voulez bien, avec ce match nul entre Guetze et Zurich. On vient de le voir, 3 partout dans le derby de la Limate. 3-2 également dans le premier match de la soirée, c'était pour Young Boys face à Lausanne. Demain, 3 matchs sont au programme, avec notamment le derby du Rhône entre Servette et Sion. Au classement, le seul véritable changement concerne le haut de tableau avec Young Boys qui passe devant Zurich. Ils sont tous les deux à égalité de points, mais on le voit, Bâle peut prendre le large en tête du classement. Lausanne reste quant à lui tout au fond de classement à la 9e place et pourrait même se retrouver 10e à la fin de cette journée. Il y avait également de la Challenge League ce week-end avec notamment Neuchâtel-Xamax, un autre club roman qui espérait bien se relancer après quelques résultats assez compliqués. On peut le dire, les Rouges et Noirs étaient en déplacement à Ville hier soir et ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu pour les hommes d'Andrea Binotto en tribune suite à son expulsion de vendredi dernier contre Vaduz. Ouverture du score signé Muntwiller qui coupe un corner de Baloul au premier poteau. Rien à faire pour Guy Varche. La réaction neuchâteloise va intervenir juste après la pause. Comme souvent, c'est Haïlé Selassie qui fait la différence. Il sert Laïouel qui marque son premier but de la saison sur une subtile déviation. Xamax pensait au minimum arracher un point du Bergholz, mais c'était sans compter sur Lukambila, formé au Timvo. Lukambila crucifie Guy Varche d'une frappe tendue croisée. 2-1, score final alors que Xamax avait la possession. C'est créé quand même pas mal d'occasions. Mais si on peut le dire, depuis que Neuchâtel s'est fait renverser par Thun de 2-0
à 2 à 3. On a l'impression que quelque chose s'est cassé pour Neuchâtel. On doit se faire du souci pour que ça, Max ? Non, je pense pas. La spirale, elle est certes un petit peu négative ces temps, mais ils ont très très bien commencé. De toute façon, on a de cesse de le dire. Ce championnat, il est tellement homogène, il est tellement équilibré que... Une série de deux matchs à la suite, en gagnant, en perdant, ça peut vite inverser les places au classement. Il suffirait de, enfin, c'est facile à dire, mais vaincre le prochain match, gagner encore le suivant, et puis se retrouver de nouveau aux avant-postes. Et surtout, ils ont la qualité pour le faire. Hein. Ils ont un effectif qui est assez intéressant pour cette ligue-là. Ils ont des postes qui sont doublés, des joueurs qui ont même le niveau pour au-dessus, c'est pour certains. Donc moi, je ne me fais pas de soucis pour eux, et je pense que le staff d'Andrea Binotto va rectifier le tir. On va voir ce qu'il s'est passé dans les autres rencontres de cette Challenge League. Trois autres matchs ont pu se jouer ce week-end avec les victoires de Thun, de Vaduz et une démonstration également de Winterthur contre Kriens avec un grand Roman Bouest, notamment auteur d'un doublé. On notera que le derby 100% vaudois entre le Slow et Yverdon a de son côté dû être reporté à cause de cas de Covid dans la formation lausannoise. Au classement, il y a un écart qui est créé avec Winterthur qui prend 5 longueurs d'avance sur ses poursuivants. Vaduz et Thun arrive sur le podium. Par contre, ça chute entre Aro, Xamax et le Slow. Yverdon est à la 9e position. Demain, vous avez rendez-vous dès 14h avec Alizé Lichté pour la rencontre des mal classés entre Lucerne et Saint-Gall. Mais de notre côté, messieurs, un match nous attire l'œil essentiellement, on va dire particulièrement le derby du Rhône, Servette-Sion. Ça s'annonce chaud, les deux équipes ont besoin de points, Steven. Oui, un match électrique. Alors, Servette-Sion, toujours très intéressant. Hein. Deux équipes qui ne s'apprécient pas du tout. Énormément de rivalité hein, entre ces deux équipes. Et en plus de ça, les deux équipes ont besoin de points. Donc, c'est un match vraiment qui va être passionnant. Servette, qui aussi s'est senti lésé hein, de par les décisions arbitrales du week-end dernier, doit absolument réagir pour essayer de recoller aux équipes de tête et Sion qui a également besoin de points. Donc ouais, ça va être un match très intéressant. À quel type de match on doit s'attendre entre ces deux équipes ? Bah, Servette fonctionne assez bien à domicile quand même. Moi, je me rappelle de leur très très bon match contre Saint-Gall où après l'expulsion de Guillemeno, ils avaient vraiment fait réaliser une démonstration. Le FC Sion de Tramezzani, ça reste encore une énigme. Hein. Je pense qu'il est en train de mettre en place certaines choses, notamment tactiquement, parce que c'est quelqu'un qui aime la rigueur, qui aime la discipline. Donc compliqué à dire. Par contre, je pense quand même avantage au Servette FC pour ce match parce que c'est une équipe qui se connaît, qui fonctionne bien et puis qui jouera à domicile. Donc petit avantage en tout cas sur le papier, mais... Voilà, votre pronostic, c'est donc Servette pour demain ? Je dis Servette 2-1. 2-1 et ouais, moi aussi, je pense que Servette va s'imposer demain. Servette doit réagir, c'est un derby et je vois bien Servette s'imposer demain. Rendez-vous donc demain pour savoir si nos deux consultants sont bons au jeu des pronostics. Mais ne vous inquiétez pas, messieurs, votre place en tant que consultant n'est pas forcément en jeu avec ce pronostic-là. Il est temps pour moi de vous remercier, Jérémy Manière, Steven Lang, pour cette belle soirée de Super League. Merci à vous. À vous. Et merci également à vous de nous avoir suivis pour cette longue et belle soirée. La suite, c'est dès demain, on l'a dit. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Bye bye.